blé, très compacté, à deux temps, alors que normalement le galop classique du cheval est à trois temps. Si on devait compter, on ferait 1, 2, 3. Là, on compte 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez, il regroupe ses deux antérieurs et postérieurs ensemble. Et le terre à terre est le mouvement qui vraiment, encore une fois, permet au cheval de mettre en place tout son dos, de se regrouper, de regrouper toutes ses forces. Et vous voyez qu'il se contacte très fort. Il vient dans une attitude de rassembler, toujours les postérieurs, le plus en dessous de sa masse. Et c'est ce mouvement qui va permettre plus tard de pouvoir effectuer une cabriole.